alors Arafat, bonne arrivée. Bonne arrivée. Tu étais... vous aussi. Merci. Tu étais absent pendant un moment parce que tu étais parti pour l'Union européenne. Et on a tous été informés de ce qu'il y a eu. Tu as pu. Vas-y, pose ta question, t'inquiète. Un concert à Poto. Non, pas à Poto. À l'espace mythique du Bataclan. Ouais. Voilà. Les fans sont curieux, hein, tout le monde entier est curieux de savoir parce que sur les réseaux sociaux, il y a une guerre de communication. Ah ouais, je vois. Voilà, donc du coup, on aimerait entendre la version d'Arafat Didié. La version d'Arafat Didié, c'est que les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens de Paris. On essayait, pour moi c'est essayer de boycotter le concert parce que dans le concert il y avait plus d'étrangers que d'Ivoiriens. Ok? Et on a fait 1200 personnes sur 1500 places. En haut comme en bas, il y avait du monde. Même si le bar n'était pas rempli à 100%, mais c'était sans communication. Et la communication c'est moi qui l'ai fait. Donc tout ce que je peux dire aux Ivoiriens de Paris, c'est merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Alors à ce jour, on te classe parmi l'un des meilleurs parce que le Bataclan, pour ceux qui ont vendu les tickets, hein, au plus de 55, 35 euros, ce sont les prix que tu as pratiqués, hein, n'est-ce pas? Alors, j'ai vendu mes tickets VIP à 55 euros, mes tickets normaux étaient à 35 euros et aucun artiste n'a fait ça. Et cela te classe aussi, sans petit tour, cela te classe au troisième rang de ceux qui ont reçu un tel succès. Je m'en fous du rang. Le seul truc, c'est que je retiens une seule chose, c'est que les Ivoiriens de Paris sont pas sortis. Et il n'y a pas de souci, je leur souhaite longue vie dans leur carrière musicale. Mais le jour, ils auront besoin d'un flamenco. J'espère qu'ils auront les moyens, j'ai quoi tellement parlant, de me faire vendre. Sinon, destruction, ils n'auront plus mon plaisir. Et je m'en fous, j'en assume les conséquences. Ivoiriens, de Paris. Bonsoir DJ Arafat. Ça va. Mais qu'est-ce que le Tcholi garçon ne peut pas se prononcer? Moi je ne dis jamais ce que je peux pas, sinon après, comment tu envoies les fans à venir regarder ce qui va se passer? Mais comme tu dis, c'est le Tcholi. C'est qu'une cabine de rouge, on voit ce qui va se passer. Ça va, là, là. Un message pour les fans qui l'attendent ce samedi à Dakar au Sénégal. Mais fans de Dakar, j'arrive avec un gros poteau. Il y a des points à Dakar pour dire que non, il est trop tué quoi. Mais ça va là, là, Dakar. Mahmoudi, il tient un peu gueule.